bienvenue dans Lay the Banner, deuxième édition. Dans quelques instants, 16 équipes de deux joueurs vont s'affronter sur plusieurs rounds dans l'objectif de déjouer des énigmes. Fukano et moi sommes donc l'équipe rose, et nous allons dans un premier temps affronter l'équipe noire. Vous voici en 8ème de finale et que l'aventure commence maintenant. Les coordonnées de la première épreuve, -586, -64, -497. Donc on y va, let's go. Ok mec, là, alors là, à droite, t'es sûr? Non, attends, parce que ça va rejoindre l'autre côté. Yes! C'est bon, j'ai les coordonnées, mec. Moins or 3,8, 69. Voilà. Donc il faut aller en moins 738, 69, 488. Ok, on y va. Ah mec, j'ai les coordonnées. Attends, j'ai les coordonnées des A. F égale 0, donc ça fait quoi? Attends. Ah, c'est là. B égale 5. Ce qui fait moins 653, 72, moins 400. Let's go. Et bim! Et voilà une bannière. Hop. Bonsoir à tous, re-bienvenue dans Lay the Banner. Souvenez-vous, il y a 3 jours, nous avions gagné le premier round en déjouant les 3 premières épreuves. Ainsi, nous nous retrouvons désormais en quart de finale pour affronter les gagnants du match opposant la team orange et la team violette. Qui sortira vainqueur de ce nouveau duel? Arriverons-nous à déjouer ces nouvelles épreuves dont la difficulté augmente au fur et à mesure? C'est ce que nous allons découvrir dans ce second épisode de Lay the Banner saison 2. Ok, salut YouTube, et round 2, on va affronter The Prof d'info et The Prof d'Apla. C'est parti, round 2, c'est parti, on y va. Coordonnées de la première épreuve, 1284, 67, 1262, 1284, 67, 82, 1282, 1262, donc c'est ici. Ok, c'est entre les arbres. J'y suis, mais... C'est là, regarde. Ah ouais, c'est ça. Alors, bah vas-y, attends, le jump, oh non. Un miroir, machin. Bah en fait c'est le jump. Bon bah allez, go. Alors direct avant de commencer, vous avez le droit de poser 4 blocs pour toute l'équipe. Donc soit 2 Fuka, 2 Guil ou... Tu veux des blocs, tiens. Et du coup on prend les deux mêmes? Attends, il y a deux endroits où on doit faire? Il y a deux passages. Ok bah je prends par là du coup. Ah il y a deux passages, on est obligé, c'est pas on peut si on veut. Vous êtes obligé pour déclencher les prochains... Pour déclencher certains blocs. En gros on est obligé de faire les deux passages. Voilà, ça va être chaud là de ouf. Oh non, mon sprint. Ok, on est bon. Hop. 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 Là je comprends rien. En fait faut aller au bout là, tu vois l'endroit où il y a du rose. Là c'est juste un jump classique. Putain, pour vous aider par contre vous pouvez poser des blocs. Hein. Ok. Attends. Est-ce qu'il y a un checkpoint sur le truc en gold? Non. Ah ouais, c'est tu vas te faire foutre en fait, ok. Ok. Là j'en pose un. C'est bon, j'ai posé un bloc Luc. Hein. Ouais. Ok. Plus que 3 donc. Ouais. Hop, je suis au gold. Ok, donc là il faut que Fuka débloque son côté aussi. Ok. Bah au pire t'en poses un si tu galères, en vrai. Allez. Nice. Parfait. Ok. Ok, il se passe quoi là? Là il y a le bloc en doré apparu, donc vous pouvez continuer le game. Bah moi j'ai pas de bloc. Ah, ce bloc là en face de moi? Il était pas avant. Ok, je rush. Là par contre, s'il y en a, c'est bon. Qui réussit, c'est bon, c'est validé. Hein. C'est bon, j'ai réussi. Hop. Ok, bah voilà. Hop, t'en bouge. Hop, j'ai les coordonnées, je prends les deux cordes, tu sais quoi. Hop. C'est où la sortie? C'est là-bas? Oh, c'est là-bas. Ok, j'ai posé un bloc à la fin, mais j'ai réussi. J'arrive. Hop. C'est là la sortie? C'est où la sortie? Non, repassez par là, vous êtes venu. Ah! Aïe, ça fait mal. 1379, 1340. Il y a un village. Ça va être dans le village, non? 1379, 1340. Alors. Donc, l'éclair. Alors, trouvez un coffre contenant un précieux bouton qui devra être placé au point de commencement. Ce bouton déclenchera les foudres du ciel, les éclairs sauront illuminer la route qui vous attend. Ok, je set mon spawn. Du coup, ok, on va à un coffre. Hop, donc déjà, il n'y a pas de coffre par là. Faut faire gaffe, hein. Ça peut être dans l'eau aussi, ça peut être de partout. Là, il y a un petit trou, là, je sais pas ce que c'est, cette connerie. Là, il n'y a pas de coffre. Ah, Guil, t'es passé pas dans là. Ah, merde. Vous passez à côté depuis tout à l'heure, tous les deux. C'est un deck? C'est dans une maison, genre, attends. Je suis sur un toit? Non, même pas, bah non. En fait, il doit être à un endroit tellement improbable que. Bah voilà, ok. Il était où? Okay. J'ai un bouton, c'est bon. Ah ouais, d'accord, ok, merde. Ok, donc du coup, on le place ici. Là, regarde. Là. Ok, la foudre, c'est bon. Vas-y, rappuie. Ah, il faut aller vers la foudre maintenant? Ouais, rappuie. Ok, c'est par là. Vu. Attends, je refais encore rappuie une fois. Rappuie encore, ouais. Ok, vu. Encore? Bah j'y suis, ouais. Y'a quoi? Aïe! Là t'as une pelle, t'as le droit de creuser le bloc. Oh, y'a un coffre. T'es où? J'ai des coordonnées, ok mec, j'arrive, je reviens vers toi au village. Attends, donne les coordonnées. Là, devant toi, regarde derrière toi, tourne. Donne les coordonnées. Donc devant toi, ah ok. Non mais donne les coordonnées. 1382, 1500, 1501, c'est à droite, c'est tout droit là, ouais. C'est là-bas, tout droit là-bas. Donne les coordonnées, attends, donne les coordonnées, j'arrive, je suis là, donne les coordonnées, retourne-toi, mais donne les coordonnées.
L'épisode va s'appeler donner coordonnées. C'est là. On va le faire, y'a quoi là-dedans? Merde, je me suis TP. Bah fais, prends les trucs. Le tir à l'arc. Ah, oh, c'est un tir à l'arc, gros. On va gagner, c'est bon. Tel des jumeaux en Arbonie, il vous faudra avancer et la précision est de mise si vous voulez vous sortir en même temps sur la loi. Ok, faut tirer en même temps. Je vais en... Ok, 3, en 2, 2, 1, lâche. 1, go. Ok. Ok, 3, 3 2, 1, go. J'ai raté. Raté. 3, 2, 1, go. J'ai raté, j'ai raté. 3, 2, 1, go. Non, mais moi, c'est... en fait, y'a pas besoin, je crois. Ah ouais? Juste avancer. Ah ouais? Ah, j'avoue, putain, je suis trop con. Ça vaut que c'est mon passage à moi, en fait. Bah, vas-y, attends, rush alors. Oh putain, c'est bon. Touché, ok. Chardon? Attends. Ah bah, de toute façon, j'ai pas zoomé, donc. Attends, j'arrive pas, gros. Ah, c'est bien, ah, putain. Fallait me le préciser parce que j'aurais pu zoomer sans faire respect, quoi. Non, j'ai fini, moi. Attends, mais mec, attends, je suis dans quoi? Quoi? Comment on fait là? Y'a un bouton en bas, gros, attends, y'a un bouton en bas. J'ai vu. La vague. Ah! Trop fort. Ok, des coordonnées. 1232, 72, 1558. 1232. Ouais, je te suis, vas-y, je te suis. Ok, on va y arriver. Ouh, quelle épreuve intense! L'épreuve d'immunité. Ah, j'entends des éclairs, ça sent pas bon ça. 232, 1558. Et on y est! C'est la victoire du deuxième round! Peut-être, attends. Il faudrait que. Peut-être que. Pose ta bannière de mort là. Ouais, déjà. Déjà pour commencer. Attends, comment je fais? Comme ça. Hop! Et c'est gagné! Allez! Vas-y, viens. Là, oh, derrière toi, derrière toi. Là, ouais. Let's go. Et voilà mon gars. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé ce super teamplay. Et on se retrouve pour le round. Mais c'est 3. Trop rapide, tu vas vraiment faire des vidéos avec des épisodes différents à chaque fois. Mais bien sûr, je vais faire genre des vidéos de 4 minutes et demie. Et c'est une deuxième victoire d'affilée pour l'équipe rose. Nous nous retrouvons ainsi en demi-finale. Et nous n'avons actuellement aucune idée de qui est l'équipe en face que nous allons devoir affronter. Pour la simple et bonne raison que nous ne connaissons rien du parcours des équipes adverses. Nous pouvons ainsi affronter soit l'équipe rouge foncé, soit l'équipe bleu foncé, soit l'équipe jaune ou encore l'équipe verte foncé. Petite précision que nous pouvons vous apporter également, il faut savoir que nous avons dû attendre au moins 30 minutes avant de connaître nos prochains adversaires. C'est vous dire à quel point nous avons fini en avance, ce qui nous a vraiment étonné, mais motivé pour la suite. Pronostic ouvert à nouveau, à votre avis, allons-nous passer le prochain round? N'oubliez pas que tous vos retours sont appréciés, c'est motivant pour continuer de produire du contenu. De nouvelles épreuves complexes nous attendent derrière cette porte, et nous les découvrirons dans 3 jours. A très bientôt.